Salut les gens, c'est Tardarine. On se retrouve aujourd'hui pour la rediffusion de la première partie de notre précédente session live Twitch sur Cities Skylines. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage. À bientôt. Alors aujourd'hui, comme le titre du stream l'indique, on va s'occuper de notre zone forestière. Parce qu'à l'heure actuelle, notre zone forestière, elle est bien mignonne, elle nous rapporte des sous à hauteur de. Toc toc toc. 320, c'est pas beaucoup. Mais les usines spécialisées nous rapportent 10 800. Donc c'est un peu plus rentable. Mais je suis sûr que si on clique là-dessus, il nous dit ouais, 5752. Donc ça rapporte des sous. Donc cette petite zone industrielle, elle est bien, mais elle est un peu condensée. Et à l'heure actuelle, elle ne dispose que d'un seul accès à l'autoroute. Et toujours pas d'accès à notre zone ferroviaire. Donc ça ne me convient pas vraiment, puisque ça veut dire que si on fait grossir notre zone, on va se retrouver avec des gros 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 problèmes au niveau de la logistique, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer tout ça. Et comment est-ce qu'on va faire? Alors c'est très simple. On va refaire entièrement l'accès autoroutier dans le secteur. Alors, on va pas se mentir, ça ne me convient pas du tout. Je l'avais dit déjà dans le premier live que cet échangeur était absolument dégueulasse. Et je n'en démords pas à l'heure actuelle, donc première chose que nous allons faire, c'est hop, mettre un bon coup de bulldozer partout. Et on va tout faire d'une façon qui nous plaira davantage. Allez. Pas le temps de niaiser. Je pense quand même refaire. On va pousser le vice jusqu'à refaire cet échangeur-là. On va vraiment tout refaire. De toute façon, on a quasiment 3 millions de thunas. On n'est pas en banque. Hop là, je vais temporairement couper la ligne électrique également. Alors, je vais tout de suite commencer par remettre un échangeur ici. Celui-ci. Allez, hop, ça devrait normalement pouvoir le faire. Est-ce que c'est droit cette histoire? Ah, raté. Le clic droit de l'enfer. Hop, comme ça va être bon. On va commencer tout de suite par refaire les jonctions qui sont ici. Donc on va commencer par la route dans le coin. Là, ici on va prendre cette route-là. Là, oups, raté. Raté, 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 raté. J'ai pas pris la bonne. On casse la tienne, voilà. Comme ça c'est bien. Ensuite, hop, de l'autoroute. Alors, ce devrait être celle-ci. Aïe 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 aïe, j'ai pas mis le bon mode. C'est celui-ci qu'il nous faut. On va faire un petit contrôle Z, voilà. C'est pas beau. Qu'à cela ne tienne. Un petit coup de sélecteur. Hop. Pas celui-ci, pas celui-là. Ah, où est-ce que je l'ai caché? Il est là. Décidément.
Il veut pas. Il veut pas. Bon, bah, il veut pas. Hop. Ensuite, toi. Voilà. Un, deux, voilà. Merci. 1, 2, 3, 4. Plat. Voilà, ça a de la gueule. Vous voyez que je commence à mieux maîtriser les modes aussi. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Ensuite, on va tirer une route assez basique juste pour servir de guide. On va la mettre en mode normal, celle-là. Hop. On va la tirer encore un peu plus loin. Voilà, comme ça. Ensuite, on va bulldozer gentiment, gaiement tout ça. Et on va éviter de casser la voie de chemin de fer. J'aimerais la conserver pour l'instant si je peux. Merci pour le follow, demi-vinou. Allez. Rapprocher parce que j'ai du mal à viser. Là, on va dans les gros travaux, hein, je vous le dis tout de suite. On rigole pas. Hop là. Ici, on va virer ça également. Et on va aussi virer un peu ici encore. Voilà. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. On va reprendre encore une ligne. Alors, j'aimerais bien à 180, s'il te plaît, en termes d'angle. Voilà, comme ça. Merci. Ensuite, on va reprendre un échangeur de type turbine. Est-ce que je suis assez loin? Non, je suis pas assez loin, il faudrait que je le fasse ici. Donc on va étendre encore un peu cette route là. Là, ça va être un peu loin. Hop. Là, ça peut passer. Voilà. Bel échangeur. Ensuite, on va tout de suite modifier notre accès autoroutier ici. Là, et on va entendre un autre de l'autre côté. Parfait. Ensuite. Ensuite. On va attendre un petit peu celui-ci. Pas trop non plus. Ah, trop gros. Alors, salut Gara aussi qui vient d'arriver sur le chat. Ce retour vers le futur, les voitures volent, tout à fait. Arda zéro mesure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, on va réutiliser un autre petit outil. On va créer une courbe entre ici et ici. Hop. Voilà. Banco bingo. Et on va en faire une entre ici et ici. Bon, go bingo. Très bien. Ensuite. Ici. Et ben, je pense que c'est la voie de chemin de fer qui sera surélevée. Ou alors c'est l'autoroute. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je pense que c'est l'autoroute qu'on va surélever. Du coup, je vais légèrement diminuer ça. Et on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct à ce niveau-là. Donc, on va partir jusqu'ici. On va faire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci. Petite zone de plat. Hop. Ouh, CTRL Z. Je suis pas du tout au bon endroit. Voilà, là on sera mieux. Parfait. Parfait. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une belle courbe qui va de là-bas à là. L'angle va pas être tip top, je pense. Ok.
qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh, si, ça passe. Allez, go. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise. Ah là là. Ah là là. Je voulais refaire une sortie ici. Alors. Est-ce que CTRL Z, ça va passer? Non. Donc on va détruire, tant pis. Où est-ce qu'on va la vouloir? On va la vouloir probablement au niveau de l'angle. Hop, hop, hop. Allez, on se reprend ce petit échangeur qui est vraiment magnifique, que j'aime beaucoup. Et normalement, ici, ça devrait être à peu près droit. Hop là. Oh, c'est pas du tout dans le bon sens. Oh, génial, c'est droit. Excellent, merveilleux. Hop, ça, ça va dans le bon sens. Là aussi, c'est bon. Ah, là, ça a fait quelque chose que je n'aime pas trop. Toc, toc, toc. Du coup, on va repartir sur notre petit outil. Hop, comme ça. 1, 2, 3. Voilà, mieux. 1, 2, hop. Chaque fois, j'oublie de désélectionner. Perdu. Ah, et ben j'ai raté. Alors, on va recommencer. Hop. Ça ne le fait pas du tout comme je voudrais. Tac, tac, tac. Alors, ça ne le fait pas comme je voudrais, mais ça reste à peu près cohérent entre les deux routes. On va peut-être le garder comme ça au final, celui-ci. Comme ça nous évitera d'y passer trois plombes malgré tout. Donc ensuite, on part de là, on va jusque là. Ici, ici. Parfait. Hop, hop. Parfait. Alors bien évidemment, le sens n'est pas bon à chaque fois. Alors est-ce que ça pourrait m'indiquer la direction que ça prend? Non, ça ne le fait pas. Ah bah elles sont toutes mauvaises en fait. Ça règle le souci. Ici. Hop là. Plus de soucis, plus de soucis. Parfait. Donc cette partie-là, elle est réglée. Cette partie-ci, elle est réglée. Plus qu'à faire. Ah bah non, ça aussi, ça a été réglé. On a juste un petit souci au niveau de la direction de nos flèches dans ce sens-là. Ah là. Et là, on est bon. Là, le trafic autoroutier va pouvoir reprendre. Bien, donc on a une jonction ici, on a une jonction ici qu'on va aller bien évidemment remettre de l'autre côté là-bas. Hop, avec de la route industrielle comme il se doit. Tac, tac, tac. Alors non, là j'aimerais bien que ça soit au niveau du sol. Hop, merci. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec une plus belle route. Raté. Non, j'ai pas pris le bon outil. CTRL Z. Ah, il veut pas.
que c'est détestable. Sélectionne. Ah là 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 là. Merci. Ça va plus comme ça. Salut 990, merci pour le sub. Hop là, au niveau du sol. Alors est-ce que ça va bien rendre? J'ai pas trop l'impression. Si on met ça comme ça va pas être ouf. Et si on met ça comme ça va pas être ouf non plus. Donc on va le faire comme ça. Et on égalisera le sol ensuite. Ça rame. Hop, on va adoucir le terrain. On améliore un peu la brosse. Hop là. Youpla. Voilà, qui sera amplement mieux. Alors dans l'idéal, j'aimerais bien faire remonter cette route jusqu'en haut. Mais on a cette petite école qui va gêner. Donc il va sans doute falloir la déplacer. Toc toc toc, on te remet en normal. On va prendre ça. Hop, 1, 2, ça dézone. C'est pas grave, et là vous voyez, on ne peut pas. On ne peut pas. On va temporairement mettre ça ici. Ensuite, on remet un petit coup. J'aurais adoré la remettre ici, mais ça va pas être possible. C'est pas grave, on la met de ce côté-là. Et on va revoir le zoning de nos habitations. Hop, et ici, il va nous falloir faire un petit coup au niveau des commerces. Ah, là. Pas transcendant, mais ça va faire le taf. C'est assez pentu. Du coup, là, on s'assure d'avoir un double accès à notre zone industrielle. Parfait. Et en sus de ces deux choses-là, j'aimerais améliorer l'accès routier classique. Parce que j'ai envie de mettre des transports en commun qui vont envoyer en fait les populations qui habitent ici vers la zone industrielle, de sorte à limiter autant que possible le trafic dans ces zones-là, pour nous assurer qu'en fait l'échangeur soit principalement pris par du flux de camions qui prendra l'autoroute plutôt que par des habitants en fait qui vont augmenter la saturation du trafic sur nos deux échangeurs. Alors Piem nous dit attention, on va faire des routes toutes tordues en montagne. Alors la réponse est non. Je vais faire des routes plutôt droites aujourd'hui. Je vais faire quelque chose de... Je vais faire une grille. Ça sera pas organique pour le coup. Mais vu qu'on va travailler sur une zone industrielle, c'est un peu plus pratique en fait pour gérer cette zone industrielle si on a quelque chose d'assez carré. Ensuite, Tonge. Ah, salut Tonge. T'as pensé aux pauvres parents d'élèves du quartier, ils vont devoir faire plus de routes torsionnaires. Ah, oui, j'imagine bien. Mais comme j'ai remis l'école au même endroit, le déplacement était temporaire. Alors... Bien évidemment, dans la réalité, on peut pas déplacer des bâtiments comme ça, je le sais. Mais on est dans un jeu vidéo, on va pas se prendre la tête avec ça. Bien, donc, comme je le disais, on va faire une petite route. Ici, on va se remettre au niveau normal. Alors, on va étendre ça. Alors ici, j'ai combien? Là, j'ai 26 unités, 23. Donc on va aller seulement jusqu'à 13. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 37 unités, donc on va aller jusqu'à 17. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. 37, faut aller jusqu'à 27. C'est un peu short, on va mettre jusqu'à 25. Parce que j'ai envie de vraiment pouvoir faire une pente de 10. Ok, très bien. Excellent. Excellent, excellent. Donc, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça passe just. Hop là, première zone d'accès. On est bon. Allez là, vous le voyez, j'ai été trop just. J'ai pas une pente de 10. Voilà, là ça sera mieux. Ah, est-ce que je peux monter? Ouais, je vais faire jusque là. Hop. On va se mettre aussi près que possible pour éviter les problèmes de piliers. Voilà. Zou, ça c'est réglé.
Et maintenant, pour bien faire, j'aimerais bien relier ces deux routes-là. Hop, je vais prendre de la route industrielle. Alors, j'ai pas pris le bon outil. Hop. Est-ce que l'angle est cohérent? Ça peut le faire, ça peut le faire. Et ici, alors dans l'idéal, j'aimerais bien relier ces deux routes-là, mais avec la route qui est ici, qui est assez moche, hein, en y réfléchissant. Allez, Zou, toi tu vas dire au revoir. Et est-ce qu'on a atteint le sol ici? Oui, on a atteint le sol, c'est parfait. Alors là par contre c'est pas beau du tout. Ça nous fait un arc vraiment assez moche. Alors imaginons qu'on aille tout droit, ça nous dirait quoi? Ah, ça décale de quasiment rien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Et ensuite on va prendre cet outil ici. Jusque là. Voilà, là on a une belle route. Là, on a une belle route et dans l'idéal, il nous faudrait quelque chose qui puisse accrocher jusque par là. On va faire ça comme ça. Et si je pouvais faire un tour, est-ce que ça va passer? Non, trop long. Hop. Voilà, alors on va avoir quelque chose de bien. Ouais. Excellent. Excellent. Alors, entre l'échangeur 1 et 2, tu peux mettre la route au sol, elle est surélevée. Exact. Totalement exact. On va changer ça tout de suite. Tu as l'œil, tu as le bon. Oh. Contrôle Z. Au sol, s'il vous plaît. Voilà. Là, c'est mieux. Ça te convient, mon cher Thomas? On est un peu plus dans les règles de l'art. Bon, en tout cas, ça me convient très bien. Bon, j'ai peut-être mis des barrières sonores un peu trop tôt. Niveau déco, ça le fait moyen. Hop, on va mettre un petit coude comme ça en plus. Et il faut que je gère le nombre de voies. On va gérer ça tout de suite. Il faut qu'on passe avec de la deux voies. Et si possible, de la deux voies avec des barrières sonores. Alors, où est-ce qu'elles sont cachées, celles-ci? Ici, voilà. Là, là, là. Et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est mieux. Après deux remontrances, tu étais presque au niveau d'un vrai maire, lui dit Thomas Joker Rouge. Il te manque encore 2-3. Alors, il me manque 2-3 quoi? Des remontrances? Donc là, on a géré ici. On a géré là. Il y aura sans doute la même chose à faire ici. Tout à fait. Alors, cette fois-ci, j'aimerais bien ne pas prendre autoroute à deux voies. Autoroute à deux voies à sens unique. Alors. Ouais, l'autoroute à deux voies à sens unique, mais sans les barrières acoustiques. C'est celle-ci, mais dans le nom, il n'y a pas précisé à sens unique, sinon c'est pas drôle. Ici, on a à peu près la même chose à faire, mais ça pour l'instant, en vrai, on s'en fout parce qu'on n'aura probablement pas. Ah, il veut pas. Ah, mais oui, c'est parce qu'il est reparti là-dessus. CTRL Z. Merci. CTRL
qu'on vous aide encore après. Non, il veut pas. Il veut vraiment pas. Alors là, il veut bien. Là, il veut bien. Aussi. Là, il veut pas. Allez, on va activer l'anarchie. Pas les couilles. Ah, voilà. Là, il veut. Là, il n'y a plus de problème. Et on désactive l'anarchie. Voilà. Problème réglé. Plainte. 2-3 plaintes. Ouf. On verra. On verra s'il y a des plaintes. Bien. Alors maintenant qu'on a zoné ça, il nous reste quoi? Il nous reste 2,4 millions. Je pense qu'on est large. Je pense qu'on est large. Plus qu'à partir sur le zonage. Donc vous allez voir, ça va être un début de partie où on va énormément zoner. Ça va être la violence du zonage. Comment est-ce que je vais faire ça d'une façon qui me convienne? Déjà, je vais revoir un peu le réseau ici. Alors, on a un carré dans ce sens-là. Dans l'idéal, il nous faut une route qui fasse à peu près la même chose ici. Hop. Là, on reprend la route classique. On améliore cet aspect-là. Voilà, plus de route en terre, très bien. Ah, s'il en reste là. On les gère tout de suite. Bien, bien, bien. Oh. Alors là, la zone Indus. Hop. On va l'augmenter. On va la faire aller jusqu'ici. Hop. On va prendre maintenant le petit pinceau. Et on va détourer au niveau de l'autoroute. Hop là. Aussi cette partie sud. Ah, trop loin. Hop là. On remet un coup là où ça manque. Salut, I'm so fresh. Je vois que la moula est presque identique à la semaine dernière. Aucune fraude détectée. Et bonsoir tout le monde. Alors effectivement, aucune fraude détectée. Mais j'ai refait pendant ton absence tout le réseau autoroutier qui était là. J'ai viré l'échangeur. J'en ai rajouté un ici. J'ai refait celui-ci en prenant un qui était directement du workshop pour pas m'embêter. Et j'ai rajouté un gros échangeur ici. Donc j'ai éclaqué 300 000 balles. On était à 2,7 millions en début de live. Pour refaire tout le réseau autoroutier. Et améliorer en fait l'accès à la zone industrielle. En mettant deux échangeurs pour le trafic de camions qui va vers l'autoroute et deux petites routes pour en fait faciliter l'accès aux employés qui habiteraient dans la zone à côté. Et maintenant, je m'apprêtais à faire une grosse grille pour améliorer en fait l'organisation et la logistique au sein de la zone industrielle. Alors si je fais ça, ça va être trop court, on va partir là-dessus. Est-ce que je suis bien à 90? J'ai pas bien l'impression. 89,5, c'est pas droit. C'est pas droit, c'est pas droit. Tac, 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 tac. Alors, vous savez quoi? On va faire plutôt ça comme ça. Ah, par contre, je pense que j'ai fait un petit peu dans la violence ici. On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus doux. Alors là, j'ai 11. Est-ce que ça va le faire, 11? Ouais, parfait. Allez, j'achète. J'achète. Hop. Ensuite, on va regarder. On a un écart de combien ici? On a un écart de 15. Donc avec un écart de 15, si je pars jusqu'ici, il y aurait des chances pour que je puisse rattraper assez facilement. On va se mettre ici, ça devrait être bon. 8-9. Allez, vas-y, je prends. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même écart, donc j'ai dû me foirer. Là, on a quoi? On a 15. Là, on a 16. Ah bah voilà. Ah bah voilà, le drame. Donc là c'est 16, donc là ce sera 15, toute logique. 15 unités, parfait. Faisons des choses précises s'il vous plaît.
je suis allé trop loin encore une fois, je le sens. Voilà, on va s'arrêter ici. 10, là on a 7. Hop, on va retirer une petite partie. La deuxième artère côté zone forestière, tu passes de grosse artère à petite collée à une grosse. Deuxième échangeur. Tu parles d'ici? Ouais, ah ouais, je sais. Mais j'ai pas fini de revoir la zone, hein, t'inquiète pas. Alors on est en train de faire la grille initiale. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Déjà, on fait la grille, ensuite on voit ce qu'on peut faire. Alors là, j'aimerais bien mettre vraiment toutes les zones d'extraction. Pour que on n'ait pas de choses qui soient un peu mises de partout, et je vais alterner entre la zone vraiment forestière industrielle classique avec la zone la zone de quartier sur laquelle on va mettre une spécialité où est-ce qu'elle est cachée, spécialité industrielle, on va mettre une spécialité industrielle forestière. D'ailleurs je pourrais peut-être zoner ça tout de suite tant qu'à faire, comme ça ce serait fait. Non, avant toute chose je vais finir de longer la voie de chemin de fer. Je referai le détail plus tard, hein, on n'est pas pressé. Voilà, et maintenant on va mettre exactement la même chose. Hop. Je vais peut-être la faire plus petite, je verrai. Pour l'instant je vais faire aussi grand que l'autre. Et on verra ce que ça va donner. Normalement, il n'y a pas de raison que ça soit aussi grand que ça. Voilà. Et on positionne tout de suite la spécialité forestière dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de masquer le nom de ce truc? Tac, 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 tac. Quartier de la Bruyère. Donc ça, c'est toujours la zone forestière. Gilbert Dumotier. Avec la majuscule Azidbert, ce serait mieux. Hop là. Thomas Joker Rouge me confirme que j'ai bien vu l'endroit. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour relier en fait les deux, je vais voir comment je vais faire. Je vais peut-être essayer de faire une courbe jusqu'ici, mais ça serait peut-être un peu bizarre. La deuxième option, ce serait de réduire la pente. Mais si je fais un échange... Ouais, si, je pourrais réduire la pente... Ouais, on va sans doute faire ça comme ça. Je finis de zoner et ensuite je vois comment je gère l'ensemble. Ça fait un peu bizarre ici, je trouve. Tant pis, on va faire avec pour le moment. Alors, là, on va continuer cette route-là. Est-ce que je fais une intersection ici? Ça pourrait valoir le coup. Par contre, il faut juste s'assurer que on a 1, 2, 3. Hop. Ah, par contre, si je fais un angle comme ça, ça va être un peu sale. Et si on va tout droit, on est vraiment très proche. Donc, j'ai pas trop envie de le faire comme ça. Et si je vais tout droit comme ça, on est à 2,5. C'est un peu short. C'est un peu short. Et est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une route courbe ici? J'aime pas trop le concept. Ou alors je fais vraiment quelque chose comme ça, en angle. Ah, c'est pas top. On va partir sur quelque chose de rectiligne. Hop là, on va partir là-dessus. Ça sera très bien. Alors, question de Thomas Jockey Rouge. Y a-t-il de l'industrie piscicole ou portuaire? Je vous fais la traduction en passant. Oui, il y en a. Il y en a, il y en a. C'est ici. Industrie de la pêche. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Et ça, ça nous vient avec le DLC Sunset Harbor, qui est l'un des derniers qui est apparu. Et si tu regardes au niveau de la map, en fait, à chaque niveau de profondeur d'eau, tu as des types de poissons différents. Donc, tu as de l'anchois, du saumon, du crustacé, du thon.
Et on se rend compte qu'on a du thon seulement dans l'arrière, ce qui est absolument pas logique. Qu'on a des crustacés en amont. Des crustacés d'eau douce. Ma foi, pourquoi pas? Et sinon, on a masse de saumon et d'anchois. Aquacole se dit aussi, non? Peut-être. Mais c'est peut-être pas la même façon en fait de produire le poisson. Bref, retournons à notre système routier. Là, pareil, on va aller tout droit. J'aurais peut-être dû faire quelque chose de différent ici. Parce que les zones courbes comme ça, c'est peut-être pas foufou. Oh, presque! Oh là 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 là, quel drame! Alors. Ah là là, c'est moche ça. Du coup, on va prendre le Freeform Tool. Une petite courbe ici. C'est pas la meilleure intersection du monde, mais si on veut faire une grille à peu près correcte, c'est ce qui me semble encore être le plus potable. Conclusion ici. Est-ce que ça c'est bien logique? Ça se trouve pas trop. D'ailleurs, je note que j'ai oublié quelque chose de très important. Refaire le réseau électrique avant qu'on dise hey, on n'a pas de courant, rendez-nous l'électricité. I'm so French qui me dit crustacés d'eau douce, des crevettes, effectivement, il y a des crevettes d'eau douce. C'est totalement vrai. Bien, on va revoir cette zone-là. Faire et refaire, c'est travailler, comme on dit dans le métier. Hop là. Et alors, la grosse question, c'est est-ce que je peux arriver par ici, angle droit? Ça serait pas mal. ,8. On va dire que ça fera office d'angle droit. Très bien. Et je ne suis vraiment, mais alors vraiment pas satisfait de cette zone-là. Je pense qu'en virant ces zones, ça sera peut-être plus simple. Je pourrais faire quelque chose d'un peu plus correct. Vous savez quoi? On va le faire tout de suite. Il nous reste quoi? 2 millions 4. On est tellement large niveau pognon. Allez-y, toi, on va te stocker temporairement ici. Alors si je fais ça, on va tout casser. On va peut-être éviter pour l'instant. Hop. Alors pour l'instant, je déplace. Hein. C'est du temporaire. Hein. C'est juste pour voir ce que ça va donner en termes de grid. Mais je suis sûr et certain que si je vais tout droit ici, je pourrais peut-être atteindre ça. Oh non, non, ça va pas le faire, ça va pas être assez droit. Oh, oh, presque. Il y a peut-être moyen. Ah, c'est. Ah, c'est pas tout à fait comme je voudrais, mais. Hop, avec un ultime virage à la fin, ça passe. C'est presque totalement droit, il y a juste la fin où c'est légèrement bifurqué. Mais j'ai envie de dire, ça passe. Léonard de Vinci maudirait pour mon intersection. Ouf. Il serait peut-être ébahi devant les prouesses technologiques de l'humanité avant de m'en vouloir pour mon intersection. Donc là, on arrive un peu loin. Pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Ensuite, on va essayer de replacer ça d'une manière à peu près cohérente. Ça, ça va virer, parce qu'à mon avis, il n'y en a plus vraiment besoin au final. Ici, on doit pouvoir faire ça. Hop, et s'économiser tout ce qu'on a là-bas. Yes. Très bien. Donc, maintenant, on redéplace ça ici, ça
ici et on va leur mettre une route au milieu. Une route à sens unique. Qui va dans les deux sens, très bien. Et au final j'ai pas eu besoin de refaire cette partie là, donc je les ai déplacés pour rien au final. Perte de pognon, tant pis, c'est la vie. Allez, mets-toi dans le bon sens s'il te plaît. Ça ne veut pas. Quelle infâme. Bien. Donc maintenant, ce qui va nous gêner, c'est cet aspect-là. Donc, ça va virer. Ça, c'est un peu trop grand, ça va virer également. Ensuite, vous, on vous déplace temporairement aussi. Pour l'instant, vous irez là. Hop, ça dégage, ça dégage. On reprend de la 3 voies industrielle. Pardon, de la 4 voies industrielle. Hop. Ça, on l'amène là et on le descend ensuite 13 unités. Ah, dommage. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans l'autre sens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors le fait d'avoir une intersection juste ici, je trouve pas ça fou, mais on va faire avec. Et en revanche, ce qui est pas top là, c'est d'avoir une nouvelle intersection à cet endroit là, parce que c'est beaucoup trop serré. Hop, ça vire également, et on va essayer de faire une jonction à ce niveau là. D'ailleurs, du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup de prolonger en fait ce type de route jusqu'ici? Moi, je le sentirais bien comme ça. Alors là, j'ai 26 unités. Là, j'en ai 24. C'est pas de chance. Ta ta ta. 25, 25, mieux. Et maintenant, on va bouger ça. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça nous fait une belle route principale pour longer toute cette partie-là. C'est tout à fait acceptable. Dans l'idéal, il aurait fallu également prolonger celle-ci. Voyons voir ce qui se passe si je la prolonge. Mauvais raccourci. Dans l'idéal, il faudrait que j'aille par là. Ah, ça me ferait arriver ici, c'est pas ouf parce que c'est pas tout à fait le bon angle. Mais à la limite, ça peut passer. Vous savez quoi? On va lancer la pause maintenant et je vais y réfléchir pendant les 3 minutes qui nous séparent de la deuxième partie du live. Du coup, je vous dis à tout de suite tout le monde. On se retrouve dans 3 minutes. Et voici qui conclut la rediffusion d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très prochainement avec la prochaine partie et mardi prochain directement en live sur Twitch. A bientôt tout le monde.